Bonjour à toutes, bonjour à tous, enfin plutôt bonsoir, nous sommes le 27 février 2019. Je réfléchis parce que j'ai vraiment pas de notion de date ni de jour. C'est comme ça depuis toujours. Louloute n'est pas avec moi ce soir, elle est très fatiguée, elle a fait beaucoup 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 de choses à la maison. Mais je lui ai dit de se calmer, mais c'est une vraie pile électrique. On n'est pas rien, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, je vais vous parler. J'aurais bien voulu vous parler encore de cet immonde personnage qui nous dirige, qui est un être abject sous toutes ses formes. C'est un démon, un véritable démon, un diable sur pattes. Mais j'en parlerai plus tard. On va parler médecine. C'est plus intéressant, c'est plus gratifiant. Et puis c'est tellement désagréable de devoir qualifier cet homme avec des quolibets, des insultes qui lui correspondent parfaitement, mais c'est un monstre. Voilà, c'est un monstre, c'est un minable et un monstre. Et c'est un destructeur. Aujourd'hui, notre première réaction lorsque l'on entend le mot rougeole, la fameuse rougeole, l'effrayante rougeole, est de paniquer, de craindre pour sa vie et de garder ses distances avec ceux qui sont atteints par cette maladie prétendument si grave. Par le battage publicitaire du ministère de la Santé, qui fait en sorte de transformer une maladie infantile en une sorte de peste bubonique. Mais en quoi la rougeole serait-elle si grave si l'on devait la contracter, ou si les enfants devraient ou devaient la contracter? Si l'on compare la rougeole à la varicelle, une autre de ces maladies infantiles qui touchent les enfants, ils sont malades 3 jours et après c'est réglé. Nombre d'entre nous ont enduré des troubles intestinaux dans l'enfance. Eh bien, que ce ne fut certainement pas amusant, les épidémies d'enfance n'ont pas fait la une des journaux et pas davantage plongé les gens dans une hystérie collective de masse, comme celle que nous impose en France Madame Buzyn et son cortège de journalistes propagandistes. Bien que les deux maladies ne soient pas exactement les mêmes, elles ont beaucoup plus en commun qu'on ne le pense. En fait, la rougeole est un problème médical assez commun, qui ne menace certainement pas la vie, et comme la varicelle ne menace pas la vie des enfants. La rougeole commence généralement par une forte fièvre et se caractérise par une toux, des yeux rouges, un nez qui coule, et de minuscules taches rouges, pas de quoi fouetter un chat. Cela commence au niveau de la tête, à peu près ici, avant de s'étendre sur le reste du corps pour couvrir tout le corps en entier par des petits boutons rouges. Comme de nombreuses maladies courantes, la rougeole peut entraîner malheureusement chez certaines personnes immunodéprimées une pneumonie et d'autres problèmes graves, mais dans de rares cas seulement. Parce que si tous les enfants qui avaient la rougeole avaient une pneumonie, ça se saurait. Dans les années 1950 et 1960, aux États-Unis, comme le stipule cet article qui a été publié sur Natural News aujourd'hui, qui est très intéressant d'ailleurs, eh bien, lorsque l'on parlait de la rougeole, on n'en faisait pas des choux gras, on en parlait comme d'une maladie, somme toute, assez banale et récurrente. Prenons l'exemple d'un épisode de The Donna Reed Show dans les années 1950, où le médecin qui va soigner un enfant qui a la rougeole, enfin si tant est qu'on puisse le soigner, déclarait « ce n'est pas grave », après avoir diagnostiqué la rougeole chez le fils de Donna Reed. « Si ton fils prend les choses en main, il sera comme neuf dans quelques jours, il n'a que la rougeole. Il n'a que la rougeole. » Alors qu'est-ce qui explique que, en 1950, eh bien, quand on avait la rougeole, ce n'était pas grave du tout, c'était un phénomène naturel qui survenait dans la vie et le développement de l'enfant. Et puis aujourd'hui, en 2019, eh bien, c'est un crime de lèse-majesté de contracter la rougeole. Il ne faut surtout pas le faire. C'est tellement grave qu'on pourrait en mourir. Eh bien, c'est un mensonge absolu et c'est un mensonge, c'est une escroquerie scientifique. Vous vous souvenez du film Les Pierres à feu? Enfin, des feuilletons Les Pierres à feu ou les Flintstones, qui étaient également blasés à ce sujet dans un épisode des années 60. Fred rentre chez lui et découvre que sa femme Vilma et son amie Betty ont été touchées par la rougeole, les empêchant de se présenter à la télévision. Ne t'inquiète pas, Fred, la rougeole ne fait pas mal, dit-il à son ami Barney.
Non, lui dit son ami Barnet. La principale préoccupation de toutes les personnes impliquées est l'incapacité des femmes à se présenter à la caserne. Personne ne... à la caserne, c'est-à-dire au studio. Personne ne craint que sa vie ne soit en danger. En fait, Fred et Barnet se déguisent en femmes et prennent leur place pour les laisser guérir tranquillement. Pourquoi la rougeole fait-elle donc tant de bruit? Bien que la rougeole puisse être très contagieuse, c'est une évidence, des recherches ont montré que les personnes vaccinées peuvent également la transmettre à d'autres personnes et même la contracter elles-mêmes. C'est pourquoi de nombreuses personnes ne voient pas l'intérêt de prendre le risque du vaccin pour des bénéfices aussi discutables. Chaque jour, il semble de plus en plus que les profits sont le véritable coupable de cette propagande vaccinale. Les personnes des générations précédentes vous diront que lorsqu'elles ont appris que des enfants du voisinage avaient la rougeole, et j'en ai parlé dans un de mes livres, où j'ai eu des témoignages, justement, de personnes qui avaient été concernées exactement de la même façon, donc de nombreux parents envoyaient leurs propres enfants jouer avec ceux qui étaient touchés par la rougeole afin qu'ils tombent malades immédiatement pour finir par acquérir une immunité à vie. Et oui, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué pour la rougeole, si vous attrapez la rougeole sauvage, eh bien vous la développerez et vous serez immunisé à vie, vous ne l'attraperez plus jamais. En revanche, ce n'est pas du tout le cas avec la rougeole vaccinale, qui est la rougeole de Schwartz, c'est-à-dire que vous pouvez contracter la rougeole de Schwartz à travers quelqu'un qui a été vacciné et qui vous a contaminé, et vous pouvez la contracter plusieurs reprises, parce que ça ne fabrique pas d'immunité, et certainement pas d'immunité à vie. D'où l'escroquerie scientifique. Maintenant, les gens ont peur. Les autorités ont créé la peur dans l'esprit, dans leur esprit, en inventant des coups comme la rougeole de Disneyland, dont j'ai déjà parlé, et qui a permis de développer des lois, le SB 277, je crois, aux États-Unis, qui forcent les gens et les enfants à se faire vacciner. En fait, c'est une loi qui a été promulguée par des pro-vaccinaux qui travaillent avec Big Pharma main dans la main et qui vont permettre à Big Pharma de s'enrichir à milliards, tout simplement parce qu'ils ont voté une loi d'obligation vaccinale. Alors, la rougeole de Disneyland, dont j'ai déjà parlé, et imagine la rougeole comme une future condamnation à mort. La vérité est que les gens acceptent aveuglément tout le battage médiatique que les médias traditionnels financés par Big Pharma tentent de susciter et ne prennent pas le temps de remettre en question ce qui se passe réellement, ni d'enquêter sur les faits de cette maladie, ni sur le vaccin. Bon, moi j'ai déjà tout étudié dans mes livres, j'ai de nombreux chapitres qui parlent de cela, qui parlent justement de cette imposture vaccinale, et évidemment avec des preuves scientifiques. Ce n'est pas moi qui décide de vous dire que c'est comme ça que ça fonctionne ou pas. Non, je suis un chercheur, je prends mes références et je les cite et je vous les donne. Comme ça, vous pouvez vérifier par vous-même si ce que je dis est vrai ou pas. Ce n'est pas du tout des élucubrations de mauvais écrivains, comme le prétendent certains, qui sont mon propos. Je suis un chercheur, c'est tout. Les grands, et un chercheur en sciences humaines. Je n'ai jamais dit que j'étais un chercheur scientifique. Les grands médecins savent parfaitement le rôle, ils le savent et ils le connaissent, de ces maladies infantiles pour l'immunité du sujet. Les autres, ceux qui ont été formés par Big Pharma à travers les protocoles pour fabriquer un business de la vaccination, ont un tout autre discours, qui est celui de culpabiliser les patients, de les affoler, de leur faire peur, en pratiquant un chantage odieux, à la peur, à la vaccination, ce qui permet à la pratique médicale de s'enrichir en handicapant inévitablement les enfants, et pas seulement pour de l'argent. Si la rougeole est si dangereuse, qui peut m'expliquer pourquoi on utilise le virus de la rougeole pour soigner et guérir des maladies virales graves? Pourquoi doit-on absolument protéger les gens de la rougeole alors qu'on utilise le virus de la rougeole pour tuer des virus encore plus graves dans le corps humain? C'est pourtant une technique qui est utilisée aujourd'hui. Alors si vous avez une réponse, je vous en prie, elle est bienvenue. À présent, parlons brièvement de la dépression. Là, c'est un sujet qui va concerner beaucoup de monde. L'anxiété et la démence qui sont des causes des vaccinations et des pollutions environnementales. Souvenez-vous que je vous avais fait une vidéo et dans un des chapitres de Pandora, 3 ou 4, je ne sais plus, eh bien, je parle des anticholinergiques, qui sont ces médicaments, qui sont des antihistaminiques, qui sont les médicaments contre la tension, entre autres, qui, à force,
d'années d'utilisation créent des vides dans le cerveau qui vont provoquer la démence. Alors, la dépression et l'anxiété atteignent, comme l'autisme, des proportions épidémiques, et des proportions épidémiques dans le monde moderne, occidentalisé. Et je reste persuadé qu'elles sont liées entre elles. Si vous souffrez d'anxiété ou de dépression, votre état pourrait même apparaître sur l'imagerie cérébrale. Des tests spécialisés, appelés scanners SPECT, ce sont les dernières études aux États-Unis, analysent le flux sanguin vers les structures cérébrales essentielles. En ce qui concerne la dépression et l'anxiété, le docteur Daniel Amen, et j'ai déjà parlé de lui dans mes livres, utilise l'imagerie SPECT pour détecter les anomalies cérébrales propres à ces troubles. Par exemple, l'anxiété, vous voyez, ce n'est pas du tout un problème psychologique. Alors les psys se régalent parce qu'ils ont des clients et ils vont leur faire croire qu'ils vont les en sortir, mais on a véritablement un problème biologique qui a été créé. Et ça dépasse justement la compétence des psychologues en matière de traitement de ces troubles psychologiques. Par exemple, l'anxiété peut modifier le flux sanguin, chose que les psychologues rarement savent, vers les noyaux gris centraux du cerveau. Et le système limbique profond, le centre émotionnel du cerveau, qui aide à réguler les sentiments. La circulation sanguine de cette région peut donc être anormale avec une dépression. La dépression que des personnes fragiles peuvent ressentir. Donc ce n'est pas du tout un problème psy, c'est un problème qui est biologique, qui a été rendu biologique, on va y venir après. Les balayages SPECT sont également utilisés pour évaluer des conditions telles que des problèmes de mémoire et même de démence, un TDA ou un TDAH, une lésion cérébrale, etc. Donc c'est un outil formidable qui permet de véritablement comprendre le rôle de la dépression, comment elle fonctionne dans le cerveau des personnes touchées, atteintes. Avec la science, la vraie science, on arrive aujourd'hui à comprendre les mécanismes biologiques qui vont mener à des états de santé dégradés. Et tout est lié dans le corps. Or, le problème de la médecine allopathique, c'est qu'elle a un côté absolument génial, et puis elle a un côté épouvantable qui est la rentabilité de la science. Et à partir du moment où on rentre dans le rôle de la rentabilité de la science, on rentre dans la destruction de l'humain, car il n'est absolument pas rentable de guérir un patient. Mais il est bien plus rentable de l'entretenir dans sa maladie. C'est pour ça que les médecins ne guérissent pas. La dernière fois que j'ai vu un médecin, c'était, je ne sais pas, il y a combien d'années, et c'était un radiologue, et je lui ai dit, au plaisir de ne plus jamais vous revoir. Il a ri, évidemment, il était intelligent, il a compris qu'il n'est absolument pas dans l'intérêt du patient de fréquenter les médecins, parce que si on fréquente les médecins, ça prouve que les médecins sont incapables de guérir. Le docteur Amen a mis en garde que lorsqu'il s'agit d'obtenir de l'aide pour soulager l'anxiété ou la dépression, dont il prétend qu'ils se produisent ensemble dans 75% du temps, il n'y a pas d'approche unique. Et non, c'est comme les vaccins. Les vaccins sont injectés dans une approche unique, et c'est absolument faux, puisque scientifiquement, c'est une erreur fondamentale, c'est une escroquerie scientifique, parce que chaque personne étant différente, chaque personne réagit différemment à l'injection. Ce qui fonctionne pour une personne est souvent inefficace pour une autre et peut même aggraver les symptômes. Vous voyez bien qu'il y a des personnes qui sont vaccinées contre la grippe et qui en meurent, d'autres qui tombent gravement malades, et puis au bout de 10 ans, comme le disait un neurologue américain, si vous êtes vacciné 10 ans de suite avec le vaccin contre la grippe, vous finirez inévitablement Alzheimer ou Parkinson, à cause des taux de mercure qui se trouvent dans les vaccins. Évidemment, encore aujourd'hui, le docteur Buzyn affirme que les adjuvants médicaux ne sont absolument pas toxiques. On attend toujours qu'elle nous prouve qu'ils ne le soient pas en buvant un petit peu de mercure ou un petit peu d'aluminium, ou même un petit peu de formol, si elle en est capable, parce que c'est ça qu'on injecte dans nos enfants et dans nos grands-parents ou nos parents, du formol. Si je vous mettais, par exemple, un peu de formol, un peu de mercure et un peu d'aluminium dans un verre d'eau, et que je touillais avec une petite cuillère en bois et je vous le faisais boire, eh bien je vous empoisonnerais inévitablement. Or, là, le vaccin est rendu obligatoire avec ses ingrédients qui m'enverraient en prison, mais pas les laboratoires.
Donc vous voyez l'aberration du système et le mensonge étatique établi par Big Pharma et ses purs produits que sont les ministres de la Santé successifs. Malheureusement, la médecine traditionnelle utilise une approche à l'emporte-pièce pour lutter contre la dépression et l'anxiété. Alors là, on y va vraiment à coups de médoc. Ne vous inquiétez pas, ça va vous soulager, ça va vous aider. Mais la preuve que ça ne marche pas, ça aide très rarement. La plupart des médecins prescrivent systématiquement des médicaments inefficaces, entraînant une foule d'effets secondaires, notamment un gain de poids, ça fait gonfler les gens, une perte de libido, donc une perte de désir sexuel, et bien d'autres problèmes dont je vais parler dans quelques instants. Ainsi, les troubles d'anxiété sont la maladie mentale la plus répandue aux États-Unis et dans le monde industrialisé. Elle touche, cette maladie mentale, près de 20% de la population adulte américaine et la dépression, plus de 18 millions d'adultes, soit une personne sur 10, ce qui est énorme et ce qui n'est pas normal. Et la réponse du monde médical conventionnel à cette épidémie est très spécifique, la prescription de drogues synthétiques. Les antidépresseurs sont les médicaments les plus prescrits aux États-Unis, comme en France d'ailleurs, après les antibiotiques. Pris par plus de 1 Américain sur 10 et 1 sur 4 chez les femmes âgées de 50 à 64 ans. Beaucoup pensent que c'est le meilleur traitement pour la dépression, mais des études publiées même par les fabricants eux-mêmes ont montré que ces médicaments ne présentent généralement pas plus d'avantages qu'un placebo. S'ils peuvent bien fonctionner, pour certains, non seulement ils sont inefficaces, mais ils entraînent des effets secondaires désagréables, tels que la nausée, les maux de tête, des vertiges, de l'insomnie, des gains de poids, de perte de la libido, nous en avons parlé, de l'agitation et de l'irritabilité. Et c'est bien pire, ils peuvent même provoquer des épisodes de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs, ou même provoquer un désir de mettre fin à sa vie par le suicide, comme le déclarait le docteur Rengen-Virapen dans son livre Médicaments, effets secondaires, la mort. Et je peux vous dire que lui, il connaît son travail puisqu'il travaillait pour le. Il connaît son sujet parce qu'il travaillait pour le laboratoire Lilly pendant plus de 20 ans, dont il a été directeur, et il a vendu du Prozac aux Suédois, alors qu'il savait pertinemment que le Prozac provoquait des actes de suicide de la part de certains des patients. C'est pour ça qu'il s'en est plaint et qu'il a écrit ce livre épouvantable, mais passionnant, que j'ai évidemment, qui s'appelle Médicaments, effets secondaires, la mort, et qui a été préfacé par le professeur Philippe Even. Donc c'est un livre que je vous conseille. Vous allez ressortir de là absolument terrorisé. La partie la plus dramatique est le discours des soignants qui affirment que c'est la seule solution viable, donc les neuroleptiques. Affirmation très discutable et sans le moindre fondement scientifique, malgré la volonté des psychiatres de prescrire de la chimie plutôt que de traiter le terrain. Mais quel terrain? C'est là que cela devient passionnant. Le système médical corrompu vous a menti en gardant malades les patients pour consommer des médicaments sur ordonnance. Il est aisé de garantir au patient un mieux avec la pilule bleue ou la pilule rouge, mais à aucun moment le psychiatre ne va s'intéresser aux intestins de ses patients, qui sont la solution ultime à une grande partie des troubles psychologiques des patients atteints. Le mal est en nous. C'est à nous de l'aider à quitter ce corps en souffrance en rétablissant l'équilibre intestinal qui a agi contre le patient s'il est perturbé à travers des traitements médicaux et antibiotiques sur sa flore intestinale. Les remèdes existent, mais il n'est pas rentable de soigner un patient et encore moins de le guérir. Il est bien plus intéressant de le garder souffrant. Alors j'ai écrit un grand chapitre dans mon dernier Pandora sur comment soigner les autistes à travers un traitement sur les intestins. Et on a obtenu des améliorations notables. Or, ce qui peut soigner un autiste peut soigner de la même façon une personne qui est atteinte de dépression ou de troubles psychiatriques qui sont liés à la dépression. Donc, évidemment, si on rentre dans le cadre de la démence qui a été créée par l'utilisation régulière de certains médicaments tels que les anticholinergiques, eh bien là, on ne peut plus rien faire, c'est terminé. Là, on est en phase terminale du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau s'autodétruit à travers ces médicaments qui ont été utilisés abusivement en croyant faire du bien à la santé de chacun. Or, vous devez savoir que chaque médicament de Big Pharma a des conséquences et des effets secondaires graves qui peuvent aller du plus simple au pire, en règle générale.
Je me souviens d'avoir discuté avec mon ami médecin Simon, mon ami Simon à Strasbourg, à propos justement de certains médicaments et des effets secondaires. Et je disais, mais regarde, il y a 8 pages d'effets secondaires. Il me dit, si tu commences à regarder les effets secondaires, bah, tu ne te soigneras jamais avec ces médicaments. Eh bien, j'ai répondu, eh bien, justement, je ne veux pas me soigner avec tes médicaments. Donc, il existe des solutions. J'en ai parlé dans mes livres, si cela peut vous aider. Donc, vous pouvez les trouver et vous pouvez vous informer vous-même également. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, toute petite capsule, mais suffisante, pour vous informer de quelques petits problèmes récurrents que nous vivons au quotidien. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Louloute vous salue. Elle se repose et elle a bien raison. Et je vous dis à plus tard. Salut!